Maria.
ma ba ba ma wo jame ma abe ya ma bo wo sai akonada onate bomma anadayan mi koban mianis a yehova izambunamba Amis et amis.
Allô, 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 allô
siècle paraît te tomber dessus. Tout va mal, rien ne marche, des échecs, des soucis. Tu ne vis que dans des larmes, tu perds un être cher. Oh mon ami, je te le jure, espère en Dieu. Come on.
sagesse de Dieu et le néant de la créature. Yo da kangata et autoxambe, ayem yo o kangata, et sa ya mon mwe ngabo, yeo veta man zambe. Moswo kangata mamete bebu ovok, alura kangata fo et belu avok, jo da kola kousi a kudi avok. Koko mye mya yane biombise Les cieux racontent la gloire de Dieu L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains Rien ne se dérobe à la chaleur du soleil Ongachi ine mama ye botebe tada Aboula nazu yandane si Wobo mendi maya menjama boaton Petite bese benengul yanyu Wobo bilok nabifa soubiye Abi bebe ya botwa say me fou Nale si jave bejo me yati Aven ave bote mille me vague Onga komengon faya yem lana me lou Jodayem awolo dadim Elese jayem eyon jawum Aye wova onanen Zavala chengone Zavala fekone Zavala yemanone Aye wova onanen Ça va les chichinounes, ça va l'emboulonné, aïe ova, voyane douma. A coup ça va au coucout, wajouna zambanji que bon le mawete, ça enferme au vitre abîmame, yes aïe ova, et dame. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, mais qui peut faire autant de prodiges si ce n'est toi l'éternel. A mesuré les eaux dans sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. À qui voulez-vous comparer Yahvé et quelle image ferez-vous son égal? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? L'Éternel, toutes les nations sont comme une goutte d'eau dans l'océan. L'Éternel est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Je vous dis, levez vos yeux et regardez, jetez votre regard sur la mer qui a créé toutes ces choses étonnantes. C'est l'Éternel, le roi des rois, celui qui se fait de grands prodiges. Celui qui a fait les cieux intelligemment, il a étendu la terre sur les eaux, il a fait les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour la nuit, il
il a coupé en deux la mer rouge. Israël est passé au milieu d'elle. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Oh, quelle sagesse, quelle intelligence. Oh, quelle grandeur. L'Éternel est merveilleux. Akusaba okukut wajo na zambanji kebo zafa bobi twebi mami yesaye wova etam. L'essence dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, mais qui peut faire autant de prodiges si ce n'est toi, l'Éternel. Kangane Yehova, Yahvé, Kangane Yehova, l'ambassadeur de Christ chante pour les travailleurs du monde entier. De Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve pendant six jours. Le travail a toujours été au cœur des préoccupations de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve pendant six jours. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Par sa toute puissante parole, Dieu dit que la lumière soit. Et ce fut le début du travail. Dieu lui-même a travaillé pour créer l'univers. C'est le premier travailleur, le créateur de toutes choses. Dieu lui-même a travaillé pour créer l'univers. C'est le premier travailleur, le créateur de toutes choses. Pendant son ministère terrestre, Jésus a durement travaillé, prêchant l'évangile, guérissant les malades. Et maintenant, le Saint-Esprit travaille en nous, jour après jour. Solo. Après avoir créé l'homme, Dieu le plaça au jardin d'Eden pour le cultiver et le garder. Ce fut le premier emploi de l'homme, Dieu lui-même étant le premier employeur de tous les temps. L'homme devait travailler aisément, sans frustration ni paix. Mais après le péché originel au jardin d'Eden, Dieu rendit le travail pénible. C'est à la sueur, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras, que tu gagneras ton pain. C'est à la sueur, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras, que tu gagneras ton pain. Oui, c'est au prix, c'est au prix des efforts que tu gagneras le salaire. Tu gagneras ton salaire.
nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme donne. Travailler, c'est un ordre. Le travail est fort physique ou intellectuel, nous éloigne du vice de l'ennui, du besoin. Il nous permet d'être utile à notre pays, notre famille et notre église. Le travail nous permet d'être aussi des hommes libres et non des parasites. Et nous devenons comme René Descartes l'a dit, maîtres et possesseurs de la nature. Comment le pays avancera avec des détourneurs de fonds? Comment l'église grandira sans effort? Je vous le dis, ça c'est de la paresse, c'est de la sueur. Parmi vous, dans le désordre, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge de personne, déclare l'apôtre Paul. Travaillez comme Sa Majesté Gilo Bébé à Koutou. Travaillez. Parce que Dieu est juste, un manguier ne donnera jamais d'avocat. Il faut travailler pour gagner sa vie, la vie de tous les jours, et c'est le du royaume des cieux. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Travailler, travaillons, c'est notre source de vie. Interdiction formelle de divorcer. Le pharisien banga que la ne yesuse. Le siligne na yefame n'mboule yasu. Mingawe amuja mesige. A yesuse bukate viae. Fidèle à leur stratégie, les pharisiens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Jesus na musanga jumia ye
Bena mozanga ve bien boule ya tiliminga kalate ya suen nake Tona bilebon asunya kechade Moïse nous a dit d'écrire à une femme une lettre de divorce et la répudier avec ou sans enfant. C'est à cause de la dureté de votre cœur que ce précepte vous a été donné. Anna Moye te mille maintenant à bouté de mon zandave yatinate. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Et pour cela, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni, c'est un grave péché. Non. L'homme et la femme mariés ne sont plus deux, ils sont un. Jésus a fait le peuple. La arithmétique de Jésus. Un plus un égale un. Soyez prudents, bien-aimés. Vous voyez chrétien est la cible de Satan. Il sait que si l'amour y règne dans les foyers, sa tête sera vite écrasée. Car les époux auront le temps de prier, ils seront heureux. Ils multiplient les plans empoisonnés. La suspicion et la jalousie, les compréhensions et l'orgueil. L'humilité fout le camp. La vengeance devient le mode opératoire et l'on frappe à la porte du divorce. Les paroles de Satan sortent de la bouche. Le remède de l'homme, c'est la femme. Le remède de la femme, c'est l'homme. Non, 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 non. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pour cela que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni, c'est un grave péché. L'homme et la femme mariés ne sont plus deux. Sont chargés de l'application du décret interdisant le divorce, les officiers d'état civil et les pasteurs pour appel pendant toute célébration et les magistrats de l'ordre judiciaire pour rejet de toute demande de divorce. C'est clair. Ça va les tomber à l'ouda catacombe. Ça va la jouer à l'ouda kate jamais. Que la rancune ronge les foyers. Que la vengeance détruit les ménages. Yayane koumé, yayane koumé, bi koumé, bi tchamé. Il faut s'y passer. Ah bon, Jean. Il faut tolérer. Oui, les détails. Il faut négliger. Les petits problèmes. Il faut pardonner. Oh, Abekabam. Il faut supporter. Les détails. Il faut tolérer. Ah. Il faut négliger. Ce qui est négligeable. Il faut pardonner. Pardon, madame. Pardon. Pardon, chérie. Pardon. Allez-moi, wabé. Pardon. Et dis-le jamais. Pardon. Gamanga, bon, wabé. Pardon. Jamais, mot. Pardon. Je me l'arrange, mangé. Petit carré, manioué, comme un gars pour wabé, en l'aimant wabé, maïbi koumalouké.
invité me voyer. Allons, nous pouvons mettre. C'est l'espoir qui fait vivre. Il faut espérer. Il faut espérer. Ne pas se fatiguer. Ne pas se fatiguer. Si Jésus. Si Jésus n'a pas sifflé la fin du match, il faut espérer. Dis-le, si mais. Dis-le, Seigneur. Marien Zouakam. Que bien le miracle. Jésus c'est ta mort. Christ est ta maille, ma joie et vive Dieu. Pitié de Dieu. La vie de l'homme sur terre ressemble à un match. L'arbitre détient le sort des équipes. Tant qu'il n'a pas sifflé la fin du match, tout est possible. Ce qui fait vivre, c'est la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mon frère, c'est ça l'espoir. Élisabeth et Zacharie étaient tous vieux. Sarah et Abraham avançaient en âge. Fatigués d'attendre l'enfant promis, Dieu leur a finalement exaucé. Ruth avait pleuré après la mort de son époux. En terre étrangère, oh, oh, oh. Le Dieu du possible s'est souvenu d'elle. Il lui a donné un autre mari. Il faut espérer. Il faut espérer. Georges Aboussolo. Ne pas se fatiguer. Si Jésus. Si Jésus n'a pas sifflé la fin du match, il faut espérer. Il dit le mais. Christ est ta maille, ma joie et vive Dieu, pitié de Dieu. Sachez que la puissance de Jésus-Christ commence là où s'arrête celle des hommes. Quel que soit ce qu'on a dit de toi, Jésus a le mot final. La maladie, l'échec, la stérilité, le chômage, le célibat chronique. Quand le temps de Dieu arrive, ma sœur, c'est la joie, c'est la promotion. Même si ton problème a pris des années, il y a espoir en Jésus, ma sœur. Il faut espérer, il faut espérer, ne pas se fatiguer. Si Jésus. Abel Thierry Zobo. Christ est ta maille, ma joie et vive. Pitié de oui. Quand ton tour viendra, on viendra te chercher. Ne t'ennuie pas. L'espoir de l'homme ne finit qu'avec la mort. Et même un mort, Dieu peut le ressusciter. Dis-le, Mamouté, Jamana veut son si. Un thé ouvert, sa banque n'a ne peut te. Souvenez-vous de Lazare qui pourrissait. M'a dit à Jésus, mon frère sent déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh ma sœur, oh, si tu crois, si tu crois. Le mariage que tu attends arrive bientôt. Ton miracle est dans vous, c'est sûr. L'enfant que tu attends arrive bientôt. Ton miracle est dans vous. Si tu crois, si tu crois, si
la gloire de Dieu. Si ta vie est comme un ossement desséché, ton miracle est dans vous, c'est sûr. Les miracles arrivent du temps, mon frère. Ton miracle est dans vous, c'est sûr. Il faut pouvoir, pouvoir, pouvoir. Dédicat spécial au couple Jean et Didi et Marie-Paul, Emmanuel et Gervais Minko, Pasteur Ayan Sorel et Soulange, Iris et Étienne Pierre Dizambo, Roger et Denise Bayem, des couples modèles. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. J'ai voulu me conformer à sa volonté et je me suis mise à chercher la femme que j'aimerais. Maque ma yuno, maque ma jene, maque ma jene, mon ami Gaïenma. J'ai fait le tour des pays de l'Afrique, c'est au Cameroun que je l'ai trouvé. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade. Tes seins comme des jumeaux d'une gazelle parmi. Parmi toutes les femmes de l'Afrique, tu es la plus belle. C'est toi que j'ai choisi. Tu es ma taille, ma pointure. Et digne jamais. Travaille d'une manière joyeuse. Tu es comme un navire marchand. Tu amènes de loin ton pain, mon amour. Tu tends ta main aux malheureux. Tu tends la main aux indigents. Wandela Tondi non, Wandela Tondi non. Enlève Womé, oh Manyo. Tu ouvres ta bouche avec sagesse, des conseils aimables sont sur ta langue parmi. Parmi toutes les femmes de l'Afrique, tu es la plus belle, c'est toi que j'ai choisi. Tu es ma taille, ma pointure, et digne jamais, ma bien-aimée. Parmi toutes les femmes, on leur rappelle leurs vertus, leurs qualités, elles deviennent plus aimables. Je sais que l'Éternel m'a formé à partir de la côte un certain nombre. J'ai parcouru tous les pays de l'Afrique à la recherche de cette matière première. Marque Mayolé, Mila Milamo. Marque ma jungle, mon affaire également. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre les hommes. Des jambes sont des colonnes.
de marbre blanc. Tes mains sont comme de l'or. En l'amour pour voici, en homme ou en mer. Ou en main, et en ma cobe ou. N'enganan te sili ou jombe, ou veya ma dieu. Ou ma conne dame, mi tu n'yamo. Et d'ing un jamais à dans la conne yan le me. Tu es comme du miel, celui qui coule des rayons. Toi et moi, on se parle à demi-mot. Parmi tous les hommes de l'Afrique, tu es le plus beau. C'est toi que j'ai choisi. Tu es ma taille, ma pointure. Allemande, mon amour. Parmi tous les hommes de l'Afrique, tu es le plus beau. C'est toi que j'ai choisi. Serge Mvaze et Lynn, Monsieur et Madame Lim Ninon. Quand nous aurons un joli bébé, mon ami, nous serons unis dans la joie. Quand tu auras la promotion, époux, nous serons unis dans la joie. Quand nous aurons de bonnes nouvelles, nous serons unis dans la joie. Quand tout ira mal, des moments de galère, nous serons saoulés dans la paix. Quand tu seras malade, hospitalisé, nous serons dans la paix. Tu seras débauché, licencié, mon amour. Nous serons saoulés dans la paix. Parmi tous les hommes de l'Afrique, tu es le plus beau. C'est toi que j'ai choisi. Tu es ma taille, ma pointure. Allemand, on est mon amour. Je veux sentir sa paix dans mon cœur. Il me donnera le vrai bonheur. Et je me repose en son amour. Il vit en moi jour après jour. Oh Jésus, Jésus-Christ, tu es mon assurance. Tu me relèves. Tu me relèves par ta gloire. Ton bras puissant. Ton bras puissant. Tes bontés. Tes bontés ne sont pas épuisées. Jésus, tes compassions se renouvellent chaque matin. Jésus. Tu m'as
mon salut. Car l'Esprit Saint m'a régénéré. Sur la croix, il est mort. Il a brisé sa vie. Il a payé le prix pour gagner ma vie. Jésus m'a promis de ne jamais m'abandonner. Je ne promène plus des regards inquiets. Jésus, prends mon cœur.
Christ, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ta crise sous sangali, tu viens, et voilà, y'a mon mot. Un chico pour mon bon, jamais te signer ça. Jésus se référait toujours à son père en toutes choses. Bonne, 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 b
Jésus-Christ, notre Sauveur, nous lui devons une obéissance.